Hello les asticots, alors je vous retrouve parce que hier je vous ai fait un petit haul Action et vous savez très bien que quand on va chez Action, ben, il y a toujours des trucs qu'on a repérés puis qu'on a oublié de prendre et puis le lendemain ou même dans la journée on y retourne. Hein, qui a jamais fait ça? Si. Donc ben, je suis retournée chez Action et j'ai pris plusieurs petites babiolettes que j'avais pas vues ou que j'avais oubliées. Vous voyez le genre. Allez, on y va. Alors je commence tout de suite par ça. Ça, c'est les chaussettes gel spa. Alors ça, j'avais pris ça il y a quelques temps et j'avais trop adoré. Alors vous savez, c'est des chaussettes comme ça, des petites chaussettes basses. À l'intérieur, vous avez du gel. Là, vous avez c'est des petits pieds antidérapants. Et donc, à l'intérieur de ces chaussettes, il y a du gel. Donc, vous mettez, vous lavez les pieds. Vous pouvez faire un petit bain de pieds, ça c'est pas mal. Et vous hydratez bien vos pieds et vous mettez vos pieds dedans. Et puis, vous attendez. Oh, moi j'attends parfois même une heure quand j'ai rien à faire ou quand je fais mes créations de bijoux, etc. Je monte par là parce que c'est là à ma table que je l'ai fait. Et je laisse poser ça et franchement, les pieds ils sont tout doux après. Donc je les avais craqués au bout d'un moment, le gel à l'intérieur était complètement craqué à force de les laver. Parce que moi j'utilise une fois, je les lave après. Je vois que ça se suinte là-dedans. Et donc ben voilà. J'en ai racheté, je suis contente parce qu'il n'y en avait plus. J'ai pris pour mon chat le gros gourmand, ça coûte 25 centimes, donc c'est super. Des petits pâtés au saumon comme ça. Il doit y en avoir quelque part aussi, mais je ne sais où. Pour mon chéri, il adore ces petits bonbons-là. C'est des petits bonbons durs aux fruits des bois, là, aux fruits sauvages, je sais pas quoi. Queen Delight. Et moi j'adore parce qu'il y a la petite croix anglaise. C'est intéressant. Pour mon chéri, toujours, ah oui, il y en a beaucoup pour lui, hein, vous voyez. Donc ça, ce sont des noix. Et c'est un beurre de noix. Alors, il y a cacahuète, noix de cajou, amandes, noisettes. Donc attention à ça, à y aller avec modération, c'est 100% bio. Y aller avec modération parce qu'il y a quand même 50% de gras. Donc la moitié de ça, c'est du gras. Mais bon, c'est quand même du bon gras puisque c'est du gras des noix. Mais quand même, modération. Hein. Ce qui est pas mal, c'est de se faire, attention, au moment recette vegan, se faire un petit du pain, vous savez, les pains à riz, vous les faites toaster, vous mettez ça dessus, vous étalez, puis vous coupez une banane bien mûre en rondelles. Même que par-dessus, vous pouvez mettre un petit peu de cannelle ou un petit peu de sucre roux, vous voyez. Voilà, juste pour dire rien du tout. Ensuite, j'ai repris un petit peu de ça. Vous savez, c'est les petites serviettes de table, comme j'aime bien, je les prends souvent, donc j'ai repris un petit peu de ça. En boisson. Alors, j'ai repris ma fameuse boisson cassis parce que souvent je la prends et puis je la bois direct sur le parking. Donc, et ça, mon chéri et moi, on aime bien tous les deux, donc ça tombe super bien. Lui, il est fan du 7-Up Mojito et en plus, il était en promo, donc ça tombe super bien. Ensuite, j'ai pris, attention, mon glamour, ça c'est pour faire la vaisselle. Bon, nous, on a un lave-vaisselle, mais j'en ai quand même pris une parce que des fois, il y a des trucs quand c'est beaucoup trop gros, genre un saladier que c'est juste un peu sale ou voilà. On met pas presque tout à la vaisselle, mais des fois quand c'est trop gros. Ça, j'ai repris des gants. C'est un ensemble de, je crois que quoi, une centaine, ouais, 100 pièces. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait une taille L, ça a peut-être été un peu grand du coup. J'aurais dû prendre M. Je croyais que c'était tous les mêmes. Alors ça, mon chéri, pour réparer son vélo des fois, ou moi pour me mettre, par exemple, alors vous allez dire que je suis une psychopathe, mais quand je me mets de la crème sur les pieds, j'aime pas toucher mes pieds avec mes mains. Pourquoi? Pourtant ils sont pas sales mes pieds. Mais voilà. Ou quand je m'étale par exemple de la crème où il y a un petit peu d'auto-bronzant dedans, j'aime pas que ce soit même les mains. Donc j'aime bien utiliser ça. Après je les jette tout de suite. Bon, c'est pas très écologique, j'avoue. Pour mes créas, j'en ai profité, ils avaient remis des petits kits. Donc j'ai pris un petit kit noir. Voilà. J'ai repris un petit kit rose. Voilà. Et j'ai pris un petit kit violet. Voilà, en parlant de gants, j'ai pris un gant, alors ça se vend par un gant exfoliant. Voilà, pour la douche et le bain idéal, donc ça c'est parfait parce que c'est pareil. Alors voilà, c'est pareil. Quand j'ai une crème, un gommage pour le corps, ben, j'aime pas le toucher avec mes doigts parce que j'en ai plein les ongles et tout ça, et puis je trouve que ça fait plus d'effet avec ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris des petits stickers. Je les trouve trop mignons pour mes créations. Je
Voilà. Et il nous reste deux articles. J'ai repris. Alors, ça, vous savez, c'est les petites pochettes à paillettes, là. Enfin, les petites, non, pas les pochettes. Les modèles en carton à paillettes. Pour celles qui s'y connaissent, c'est 10,5 sur 14,8. Et en fait, bon, je l'ai trouvé, comme d'hab, super joli. Donc, moi, j'aime bien... quand je fais des barbijoux, je fais une petite pochette et je mets souvent le petit bijou dedans. Donc, je trouve que c'est super joli. Et rose comme ça, paillettes, c'est vraiment... Enfin, c'est tout à fait dans l'esprit barbijoux, quoi. Et pour mon chéri, parce que ça, il adore, et vous le savez, ces petites boules coco, là, mode coco, là. Ah, attends, je vous ai pas présenté. Bon, ça, vous allez vous en foutre, du coup. C'était là, c'était caché. Il y en avait d'autres pour mon chat. Voilà, je vous ai mis. Voilà. Ouais, ça, ça coûte 25 centimes. Et je crois que c'est là où c'est le moins cher, quasiment. Par peut-être les pouces au champ. Enfin, de toute façon, nous, il aime tous les trucs comme ça, les barquettes comme ça, ils s'en enfilent, mais vitesse grand V, quoi. Bon, ben voilà, les filles, ben, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vais certainement me laisser retenter par Action, parce que j'ai encore vu des petites choses. Je dis toujours que j'ai pas besoin de retourner à Action, mais... Enfin, on se comprend. Ciao, les filles et les garçons!